La chronique de Hassan Khassimi. Bonjour Hassan Khassimi, on revient avec vous aujourd'hui sur le rapport accablant de l'ONU concernant les crimes de guerre commis par l'entité sioniste à Un rapport de l'ONU a été élaboré et non encore publié. Il est considéré comme étant accablant contre l'entité sioniste. Effectivement, c'est un rapport explosif qui a été rédigé par cinq organisations internationales en collaboration avec trois organisations non gouvernementales israéliennes portant sur les génocides et les crimes de guerre commis en palestine par l'entité vous vous en doutez que ce document ne risque pas de circuler en europe ou aux états-unis compte tenu de la gravité des accusations qui pèsent sur l'entité sioniste et de ses soutiens en occident L'Occident et son chef de file, l'Amérique, mènent une grande opération de lobbying pour que ce rapport ne soit pas publié, pour ne pas dévoiler au grand jour les atrocités des forfaits du fugitif Nathaneo et de sa bande de criminels qui continuent à commettre des génocides en Palestine, malgré les deux mandats d'arrêt lancés par la CPI. Il est maintenant prouvé que l'Amérique et l'Europe sont complices de toutes les atrocités commises en Palestine contre des populations civiles rendant les dirigeants de ces pays des justiciables du de CPI qui doivent être poursuivis pour complicité de génocide et de crimes de guerre ce rapport de l'ONU non encore publié doit réveiller les consciences et les âmes de ceux qui continuent à soutenir et à reconnaître aux criminels sionistes le droit de se défendre qui s'est transformé en droit de tuer et de massacrer des populations civiles palestiniennes on ne peut pas citer l'intégralité de ces crimes recensés dans ce rapport car la liste est très longue mais on pourra en citer quelques-uns qui n'ont pas été médiatisés en Occident et que je vais rappeler comme suit. Donc, le recrutement par l'entité sioniste de 22 sociétés privées de mercenaires activant à Gaza et en Cisjordanie, dans la mission est de massacrer des populations civiles palestiniennes. 1237 mercenaires éliminés par la résistance palestinienne ont été transportés par bateau morgue. Américains. 70% des bombes utilisées par l'antisioniste à Gaza sont traitées à l'uranium appauvri, provoquant une contamination des sols, des sources en eau et des populations civiles, rendant ces territoires cancérigènes pour une période supérieure à un siècle, constituant une forme macabre d'extermination du peuple palestinien. 112 femmes Razaoui arrêtées ont été violées dans les prisons israéliennes. 87 détenus palestiniens ont été exécutés dans les prisons israéliennes. Systématisation de la torture dans les prisons israéliennes. 150 000 civils palestiniens de familles de résistants, femmes et enfants, ont été ciblés et exécutés par les sociétés de mercenaires terroristes travaillant pour le lobby de Netanyahu. 90 des femmes et des enfants à Gaza souffrent de graves traumatismes, provoquant la démence et la folie au sein de la population palestinienne. 213 pilotes israéliens qui ont refusé de bombarder des populations civiles palestiniennes ont été arrêtés et emprisonnés. Mise en place d'un port mobile à Gaza avec l'aide de l'armée américaine pour déporter les populations rasawies vers d'autres pays. Netanyahu et son Conseil de Guerre ont validé l'arme de guerre de la famine pour provoquer la mort collective des populations rasawies. La liste des génocides s'allonge, se prolonge et se continue. Tous les jours. La propagande sioniste utilise plusieurs artifices pour décontextualiser les attaques de Hamas du 7 octobre 2023, ayant provoqué la mort de 1200 Israéliens. Mais cette propagande se garde bien de dissimuler les grands massacres israéliens des Palestiniens de 48 à octobre 2024, ayant provoqué le massacre de plus de 200 000 Palestiniens, dont plus de 100 000 sont des femmes et des enfants.